Aujourd'hui, je vais tricher en Manhunt en utilisant des pièges que je vais pouvoir crafter pour évidemment pulvériser Shawen. Je vais par exemple crafter cet item là qui va me permettre de miner Shawen. Et oui, oui, j'ai bien dit le miner. Vous allez voir qu'il y a énormément d'items. Et hop là, si toi tu veux pas être bloqué dans ce genre de position qui fait clairement très très peur, les mecs, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus rien faire. Tu t'abonnes maintenant. Bon, Shawen, est-ce que c'est tout bon pour toi là? Bah ouais, normalement, je sais pas où je suis là. Et bah tu sais quoi? Tu me tues, c'est très simple. Vous gagnez 1000 balles. S'il me tue, voilà, les abonnés gagnent 1000 balles. Donc t'as actuellement ça sur les épaules. Bah oui. Ah bah alors là, la vie de ma mère. Ah bah alors la vie de ma mère. Bon, malheureusement, les mecs, si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est évidemment que je vais pas me faire tuer. Donc vous savez quoi? Avant de faire n'importe quelle bêtise, parce que logiquement, Shawen doit descendre de sa tour. Donc là, on va quand même ramasser un petit. Hop, 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 hop. Attendez, attendez. Eh bah oui, bah tiens, tiens, tiens. Sapoloc congolais, les mecs. Comme d'habitude, la même blague en boucle. Mais je pense que c'est ça qu'on aime. Du coup, avant de faire des petites bêtises, je pense que du coup, le golem, on ne va même pas le tuer. Parce que là, on a un starter pack. Ah oui, plutôt complet, les mecs. Hein. Bon, je me demande bien comment il se débrouille, ce petit. Voilà, ce petit débile. Du coup, les gars, l'objectif, bon, je pense que vous le savez, c'est de buter Lighthead. Le problème, c'est que je sais pas vraiment comment m'enfuir, les gars. Je vous dis la vérité. Bon, il y a de l'eau juste là, je pense qu'il va falloir sauter. Après, comment, les gars? Je sais pas. Allez, j'espère que ça va passer. Quoi? Oh non, le chien. Oh non, le chien, il a mis des blocs invisibles. Non, mais les gars, je sais pas comment faire là. Oh, le chien de la casse. Je sais pas si vous le voyez, les gars, juste en bas, mais il y a un coffre. Alors maintenant, comment le choper? Ça, c'est une très très bonne question. C'est une question très technique. Alors, vous savez quoi, les gars? On va prendre. Oh non, j'allais dire, on va prendre le lit, mais le lit vient de tomber. Bon, les gars, là, on a plus droit à l'erreur. Là, les gars, l'objectif, ça va être de prendre le coffre. On va voir ce qu'il y a dedans. Ok, une torche. Non, mais attends, il se fout de moi là. Quoi faire la torche? C'est pour me torcher le cul, quoi. Ouais, c'était pas fameux. Bon, vous savez quoi? On va se tailler du village. Et évidemment, me taillant, je vais simplement récupérer du bois et vous allez comprendre pourquoi, les mecs. Parce que simplement en faisant une table de craft, là on aura accès à pas mal de choses. Bon, déjà avant de faire des bêtises, hop là. Mais c'est pas tout, les mecs, parce que imaginons je marque simplement le mot piège. Et bah regardez-moi ça, les mecs, on aura énormément de pièges à crafter pendant l'aventure. C'est pour ça que j'ai proposé à Shawen d'entre guillemets 1000 balles s'il me tue. Bien évidemment, c'est impossible. Bon, du coup, les mecs, avant qu'il arrive, quel piège on pourrait se faire au démarrage? Et en vrai de vrai, celui qui me fait un tout petit peu d'œil, c'est celui-ci. Oh là là, vous l'avez vu tomber, hein. Donc bon, on va évidemment ramasser ça. Parce que oui, on ne laisse rien à Shawen, rien du tout, les mecs. Bon, le seul problème, c'est que je me souviens plus du tout ce que je devais entre guillemets récupérer. Ok, du coup, il faut bien que je note. Il me faut que je tue un creeper, de la canne à sucre et simplement du bois et de la pierre. Bon, ça devrait être plutôt facile. Mais en plus, regardez-moi ce gros guignol. Vous savez quoi? Vous mettez en commentaire le mot guignol. Parce que ça, les mecs, c'est du vrai guignol. Hein. Bon, du coup, on va en profiter. Oh. Alors, ça, les mecs, ça me fait de l'œil. De la canne à sucre. Bon, logiquement, pour faire du papier, il m'en faut simplement 3. Bien évidemment, regardez-moi ça. Hop là. Et donc là, les mecs, entre guillemets, on a le premier élément. Le deuxième élément va être très simple. On va devoir aller ramasser de la cobble. Et en plus de ça, il y a du charbon. Donc, on va pouvoir faire cuire. Ce qu'on a ramassé niveau du sable. Hein. Hop là, le fourneau du chef. Et là, on fait cuire, on fait cuire, on fait cuire. Bon, par contre, j'ai oublié un des basiques de Minecraft, les mecs, quand même. Et ça, c'est pas fou. Parce que oui, une hache, quand même, c'est un sacré basique. Oh là là, on a un starter pack, les mecs. Je sais même pas ce que Shawen est en train de faire, mais là, je vous le dis. Si je meurs au début de la vidéo, bon, déjà, malheureusement, la vidéo va s'arrêter, vous n'allez pas voir la vidéo. C'est qu'il y a un sacré problème. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Hein. Attendez, me dites pas que c'est pour faire ça. Oh, si, c'est pour faire ça. Après, je sais pas exactement à quoi ça va me servir, les gars, hein, mais bon. Ok, du coup, les gars, là, normalement, j'ai 18 blocs. Oh, peut-être ça peut me permettre de MLG. Oh non, mais je suis un vieil. Bon, les gars, il va falloir qu'on soit plus technique que ça, là, les gars, je vous mens pas. Parce que, les gars, on est tout sauf des lumières. Bon, les gars, on va foutre un max de blocs comme ça, on va jouer la sûreté, les gars, on va pas commencer à faire les ragels. C'est beau, les blocs, ils passent pas. Attendez, mais où est-ce que je suis? Mais non, mais me dites pas que je dois péter ça jusqu'à la fin, là. Oh purée, les gars, je suis en train de faire des bêtises. Je pense qu'il faudrait peut-être pas que je fasse ça, les gars. Ok, les gars, hop, je vais MLG, je vais MLG. Ok, banger. Alors là, les gars, j'ai failli mourir, mais c'est quand même un banger. Alors, bien évidemment, les gars, premier réflexe, on va pas buter Lighthead, les gars, premier réflexe, on va prendre cette espèce de petit lit, voilà, hop, on a pris notre petit spawn. Et donc là, les gars, premier objectif, les gars, se faire du pain francophone. Parce que oui, je pense que vous en doutez, les gars, ça va être compliqué de buter Lighthead. Hein. Surtout que s'il dit qu'il est prêt à donner 1000 balles, c'est que clairement, le mec, il a des sous à mettre. Hein. Donc là, je vous le dis, il nous cache quelque chose. Hein. Il va pas mettre les 1000 balles, les gars. Hein. Lighthead, je le connais, c'est un gros rat. Et plus qu'à se passe, les gars. Hein. Donc c'est quand même pour vous dire le niveau de. C'est un rat. Mais alors, c'est un rat de. Je vous ai jamais vu. Surtout que s'il dit qu'il est prêt à donner 1000 balles, c'est que clairement, le mec, il a des sous à mettre. Hein. Donc là, je vous le dis, il nous cache quelque chose. Hein. Il va pas mettre les 1000 balles, les gars. Lighthead, je le connais, c'est un gros rat. Et plus qu'à se passe, les gars. Hein. Donc c'est quand même pour vous dire le niveau de. C'est un rat. Mais alors, c'est un rat de. Je vous ai jamais vu. Du coup, les mecs, si je me souviens bien, je vais devoir faire ceci. Logiquement, il y a peut-être des escaliers. Ah oui, et le seul truc qui me manque, entre guillemets, bah c'est une poudre à canon. Et pour l'avoir, il y a rien de plus simple. Ah oui, j'en ai rien à secouer aujourd'hui. Moi, je sens que les dieux sont avec moi et que je ne vais en aucun cas mourir. Et voilà, perfectos. Or là, je vois un homme vert, je vois un géant vert, je lui casse la bouche. En plus, ce qui est cool, c'est que potentiellement, voilà, on peut se faire un petit stuff. Ça pourra peut-être être utile dans l'avenir. Bon, évidemment qu'il y aura des crafts avec du fer, je pense. C'est un basique. Bon, toujours faire gaffe que les creepers me pètent pas à la tronche là. Hein, parce qu'ils ont peut-être pas envie de montrer leur
crâne, mais vous inquiétez pas. Pour exploser derrière en mode sneaky, il y a du monde. Bon, là, il y a pas vraiment ce qu'on veut, les mecs. Mais là-bas, il y a ce qu'on veut. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Je suis pauvre Shawen. Bon, par contre, faut quand même en parler, les mecs. C'était une maison. Je sais pas ce que ça. Oula, oula. Allez, on va arrêter de parler là. Voilà, t'es mort et tu donnes rien. Ça, c'est pas cool. Ah bah non mais ça c'est encore moins cool ça, comme ça il pète. Mince. Mais les mecs c'était bouillant là hein. Voilà, merci. Alors les mecs j'en ai rien à secouer, on va remonter à la surface, hop là. Et du coup là les mecs on ne perd pas simplement un instant, hop là on se fait la maison piégée. Bon évidemment ça s'appelle maison piégée, il y a marqué fait apparaître une maison remplie de pièges vicieux. Et le terme vicieux, c'est clairement ma définition les mecs, c'est mon synonyme. Je suis très vicieux. Bon je vais pas non plus vous expliquer le mot vicieux, parce que si vous connaissez pas le mot vicieux, faudra aller se faire voir, je vous le dis direct. Vous savez quoi, je vais vous faire comme Google. Un mec vicieux c'est un mec à des vices. T'as rien appris, je m'en fous. Bon bah du coup les mecs, le temps que Shawen commence à venir, on va simplement la poser. Et regardez-moi ça. Si ça c'est pas de la maison en vrai de vrai les mecs. Ah bah je sais pas ce que c'est hein. Bon par contre vous vous doutez bien que au vu du blaze, je ne risque pas de rentrer à l'intérieur hein, ça je vous le dis. Et le seul moyen d'appâter ce bon vieux Shawen, c'est d'y mettre entre guillemets du petit fer. Et là les mecs, bon on va simplement l'attendre. Bon les gars, on va prendre nos 4 petites bûches. Voilà, comme ceci les gars. Et voilà les gars, là j'ai mes 36 de pain. Et là je vous le dis les gars, là la net, je vais le détruire. Oui parce que là les gars, vous m'avez manqué, je vous le dis. Les 1000 balles, ils sont pour vous. Une pioche en bois les gars, on va miner de la cobble. On va essayer d'être le plus rapide possible les gars, parce que vraiment, je pense avoir pris un petit peu de retard à cause de ma connexion du Bangladesh. Même si je respecte tous ceux qui sont du Bangladesh, hein, franchement, mais c'est j'arrête de doser les petites dosettes, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. On se fait les petits outils, les gars. Voilà, la petite hache, la petite pioche. Et là, les gars, on est fin paré. Alors, par contre, les gars, le seul problème, c'est que je ne sais absolument pas où se trouve l'Ined. Heureusement, j'ai la petite boussole. Alors, apparemment, l'Ined est censé être vers là. Attendez, mais lui, je l'ai pas vu, lui. Mais viens par là, toi, mais oui. Viens par là, Meshing Yi. Voilà, frérot. Faut rester vigilant, les gars. Je commence à avoir l'habitude de ce Meshing Yi. 10 ans que je le frappe. Ah bah voilà. Bon, les gars, je ne vois absolument pas le fer que j'ai. Si j'ai 5 de fer, les gars, vous mettez un like. Et si j'en ai 4, les gars, vous mettez un like et vous abonnez. Bon, bah, je sais pas ce qu'il est en train de glander. Ça fait des minutes et des minutes que je l'attends pour rien, les mecs. Bon, bah, j'espère pour vous et pour moi qu'il est quand même descendu de la tour. Hein. Vous savez quoi, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de moi. Donc, vous savez quoi, on va essayer de voir le prochain craft qu'on pourrait potentiellement se crafter. Et en vrai, devrait, regardez-moi celui-ci, les mecs, il y a carrément la tête d'Herobrine. Et en vrai, pour le faire, du cuir, un petit peu de viande de zombie, des os, et ça, c'est pas mal, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il nous faudra du papier pour absolument tous les items. Bon, le problème, c'est que quand il va voir Herobrine, il va directement dire qu'il y a un vrai problème. Donc, avant de le faire, on va se sneak et on va l'attendre enfin. Parce que là, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Hein. En fait, là, il faudrait vraiment que j'arrive à voir d'où il vient. S'il vient par là-bas, 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 je n'en sais plus rien. Mais logiquement, il viendra par là-bas, en fait. On va se faire une petite hache en fer. Ah, les gars, je pense clairement que Lined n'a pas pensé à prendre du fer dès le début. Et ça, les gars, ça peut vraiment tourner à notre avantage. Ah, bah tiens, ça, c'est des traces d'humains, ça. Ça se voit que Lined est passé par là. Maintenant, les gars, où est-ce qu'il est? Ça, c'est la petite question, quand même. Mais les gars, me dites pas qu'il va falloir que je traverse terre et mer pour pouvoir le voir, quoi. Ouh là là là, les mecs, regardez-moi qui voilà. Par pitié, dis-toi que le fait d'avoir une maison ici, ça n'a rien de normal, par pitié. Parce qu'oubliez pas les mecs, Shawen n'est pas très intelligent. Peut-être pour lui une maison comme ça en 1.20 c'est normal. Je sais quoi cette maison solo là comme ça là. The hell. Wesh, juste le seul truc c'est que... What? Oh oh. Non non, ça le chien. Oh le chien de la casse. Allez, viens là mon méchant vieux. Voilà, hop là. Tu vas mourir. Non mais bah oui, aide-moi, bah oui. Bah, merci Bing, merci Bing, allez ça déblaye. Il a voulu me pranker. Alors, il a voulu me pranker, mais par contre, les gars, qu'on se mette bien d'accord. C'était le prank le plus nul qu'on ait jamais vu de notre vie. Enfin, le frérot, s'il compte me troller comme ça, les gars, on va finir par le buter. Hein. Alors, oui, les gars, certes, il a quand même une armure qui est quand même un petit peu plus cheatée que ce que je pensais. Je me serais jamais imaginé qu'il se serait fait un stuff comme ça de faire hyper rapidement. Le poteau, c'est un mec de l'UHC. Sauf que, les gars, The Guild ou pas The Guild, j'en ai rien à faire. On va lui mettre la flèche comme guêpe. Je vais le détruire. Alors, petit problème, les gars, par contre, s'il commence à me faire des trolls comme ça, certes, c'est des trolls de méchants Golemon, mais ça reste quand même des trolls trolleurs. Et je pense que la a prévu de faire des trucs comme ça. J'espère qu'il est vraiment fier de lui, ce Michelini. Bon, du coup, les amis, le premier piège ne l'a certes pas tué, mais ça m'a permis à le tuer. C'est magnifique. Donc, bon, vous savez qu'on va prendre ça. Maintenant, il faut simplement que je trouve ce qui se nomme bah, des zombies et simplement bah, des vaches, quoi. Hein. Et aussi des squelettes pour avoir des os. Moi, les mecs, je trouve ça un peu chiant que quand on tue un joueur, on ne récupère pas ses os. Voilà, les mecs, je vais encore proposer une proposition à Minecraft qu'ils vont évidemment ignorer parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Ça me désole un petit peu. Oh là là là, la sainte vache. Elle m'attend, telle. On dirait on est en Inde. Or, ma cocotte, tu vas me donner tout le cuir. Merci Bing. Allez, venez là, mes petites cocottes, ça va être mon bonheur, ça. Et voilà. Bon, là, on a suffisamment du cuir. Maintenant, je pense qu'on va simplement aller en grotte et on va tenter de trouver, eh ben, des os, hein. Et pour partir en grotte, on y va comme des pompiers de Paname. On a peur de rien, on sait très bien qu'on va réussir. Toujours y aller avec la confiance, les mecs. Alors là, les mecs, je vous le dis, ça, c'est bon signe. Quand il y a de la terre, il y a souvent. Oula, 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 bah tiens. Bon, bah tiens. Un méchant levier. Allez, donne ta chair. Oh, bah tiens, un pseudo. Bon, j'ai même pas le temps de me faire, entre guillemets, ce que je veux. Oh, les mecs, vu qu'on est en grotte, c'est le moment de le troll. C'est le moment de rush les zombies, les mecs. C'est le moment. C'est pour ça
ça les mecs que je suis descendu vraiment super bas, comme ça j'aurai le temps de me le crafter. Parce que là, Sherwin risque d'arriver d'un moment à l'autre. Du diamant. Je m'en fous. Ah oui, je m'en fous. Je suis un homme de bourgeois, moi. Parce qu'attendez, pour me faire Herobrine, il me fallait quoi? Le seul bail là potentiellement qui me manque, bah c'est simplement des os en fait. Bah il se fout de moi là. Non mais il pense vraiment qu'il est sneaky ce débilos là. En plus, dites-lui de changer, il est en tenue de Noël, ça fait 45 ans hein, que Noël est passé. Hein. 45 ans tout de même. Hein. Ok, alors là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de se cacher. Je pense qu'il est vers là. Bah voilà, il est juste là, les gars. Je viens de l'apercevoir. Alors là, les gars, c'est vraiment mission cachette. Hein. Là, je chuchote tellement je suis un mec de la cachette. Heureusement, les gars, malgré le fait que j'ai pas de pack, j'ai quand même la lave pour me repérer. Bon, raboulez-moi des méchants vieux squelettes là. Et bah alors là, ils vont carrément s'entretuer là. Oh oui, bah super. Hein. Au moins, les mecs, on a des os. Hein. Et ça, pas qu'un peu. Hein. Oh, les mecs, c'est bon. Du coup, vous savez quoi, marqué Herobrine. Hop là, on le prend. Il y a marqué provoque un screamer et donne poison sur la cible la plus proche. Donc, vous savez quoi, ça va être clair. On va simplement l'attendre. Ah oh, bah tiens, allez, prends-toi ça. Oh. Bon, pourquoi je veux plus rien, les gars? C'est quoi ce truc de fou? Non. What? Mais qu'est-ce qu'il vient de me faire là? Non, là par contre, les gars, je comprends plus rien là. Genre là, il s'est passé un truc, les gars, il faut que j'essaye de comprendre. En gros, bon, déjà, les gars, de base, j'ai un pack qui fait que je vois rien quand on est en grotte. Genre littéralement, tout est noir. Et là, j'ai l'impression que l'idée a rajouté un truc qui fait que je vois encore moins de trucs. Genre là, vraiment, les gars, je ne voyais plus rien quoi, j'étais aveugle. Genre, je sais pas si au record ça s'est vu, mais enfin, vraiment, genre, c'était insupportable. Et je sais pas comment c'est possible. Genre, on dirait que c'est comme s'il y avait un warden à côté. Et j'espère que c'est pas encore un coup de l'idée, les gars, parce que si c'est ça, autant vous dire que je suis pas dans la mouise là. Il me prépare ça, les gars, moi j'ai pas de stuff, il a un meilleur stuff que moi. Donc là les gars, je vous le dis, j'en ai rien à faire de Lined, mission minage. Eh oui les gars, j'en ai rien à faire. Ah mais là il va penser que j'ai des pouvoirs du chétan. Je sais même pas ce que ça lui a fait en fait. Oh là là. Dites-moi que vous m'en donnez 3. Magnifique. Mais que rêver de mieux les mecs? Bon, est-ce que mon diamant va me servir à faire des crafts? La réponse est non. Donc ça veut dire que là les mecs, pour m'aider, hop là. Bon, pourquoi j'ai fait 2 tables de craft? Comme ça, pas de jaloux. Y'a pas de jaloux, droite gauche, pas de jaloux les mecs. Bon du coup les mecs, maintenant on pourrait faire quel genre de piège? Oh là là. Regardez-moi ça les mecs, regardez-moi ça. Je ne vois pas encore la description de l'item, mais là il est faisable facilement même. Bon dites-vous, le seul bail qui me manque carrément, c'est de la roche limite. Franchement, quand vous avez ce problème là dans la vie, c'est comme un riche qui a des problèmes. Ils sont souvent très futiles. Bon pardon, je sais pas pourquoi je parle comme un noble. Bon bah voilà les mecs, on va devoir se contenter bien évidemment de ramasser de la pierre ou la cobble. Ah mais j'en ai dans ma main en fait. Non mais vraiment. Non mais les mecs, là ce que j'ai fait c'est terrible. On a tous connu une situation où le téléphone était mis dans notre main ou quelque part. Mais on le cherche quand même comme des idiots. Bon j'arrête de raconter ma vie. Voilà, on va marquer miné, hop là on prend le. Ah bah je peux pas. C'est quand même chiant les mecs de devoir faire des pioches qui me servent vraiment à rien quoi, des pioches gaze. Donc là les mecs, on va marquer miné, voilà hop là. Et ce piège là, regardez-moi ça, il transforme la cible en bloc minable à la pioche quoi. Attendez les mecs, si j'ai compris, Shawen sera un bloc minable. Bon, Shawen est déjà minable, c'est un méchant juillet minable. Donc vous savez quoi les mecs, ça va être clair, net et précis. Nous allons remonter à la surface et on va évidemment lui faire sa fête. Là il y en a marre, je vais le miner. Je vais le miner comme un vulgaire cuivre. Voilà, qui aime le cuivre? Personne. Oula. Eh bah voilà, ça c'est ce qu'on aime les gars, du fer. Ah bah du charbon, ça par contre les gars, on en aura vraiment besoin pour le coup. Ah y a pas de feu sans feu, hein. Que c'est le dicton? What? Oh le chien de la casse. Il a failli me buter ce creeper. En fait le truc c'est qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'ai la sensation qu'il y a Eline derrière moi. Là vraiment. Je commence à m'habituer au personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre les gars, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de fer. Et ça les gars, ça me rend heureux. Genre là on en mine un max, on se met bien. Ok du coup là les gars, on a 8 de fer. Enfin déjà un lingot du coup ça nous en fait 9. Et donc là les gars, je vous le dis, on va se faire un petit plastron. Et là les gars, on fait fondre tout ça et on va se mettre Gucci. Là les gars, si Eline me bute, je vous dois tous 100 balles. Bah tiens, non mais regardez qui je croise. Non mais qui je croise en voulant remonter? Qui je croise? J'ai envie de lui voler son stuff. Oh les mecs, attendez, si je peux lui voler son stuff, je dirais pas dingue. Oh les mecs, je suis en dessous de lui. Oh non, je crois qu'il peut entendre. Oh j'ai trop peur les mecs, comment j'ai trop peur? La vie de mer les gars, j'entends des blocs. C'est quoi ces bruits effrayants là? Je prends mes lingots, la vie de mer. Il est là ce chien. Cette ordure. Mais quelle ordure ménagère. Oh les mecs. Tu sais quoi, pire hop là, voilà. Oh bah ching. Un bloc minable. Un petit bloc minable. What? What the fuck? What? Mais non, va te faire voir la vie de mer les gars, si me tue c'est un chien. Allez hop là, on mine le petit bloc. C'est magnifique les mecs, hop là, ça dégage. Allez hop là. Non mais what? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais c'est plus un manhunt là, c'est face à un manhunt inversé là. Non attendez les gars, je rêve, c'est un manhunt et c'est moi qui me fais chasser. Genre là les gars, c'est vraiment la honte. Là pour le coup, en plus j'ai dit que je vous devais 100 balles. Bon, écoutez les gars, c'était 100 balles, c'était des roupies indiennes. Donc voilà, je vous dois tous 100 balles roupies indiennes chacun. Non mais les gars, c'est horrible. C'est horrible ce qui m'arrive. Genre là les gars, je ne sais plus quoi faire. C'est la D. De toute façon, vous savez quoi les gars, on a plus rien à perdre. Voilà, je vais me faire des Air Max. Bon, comme d'habitude, il ne sert à rien, il donne à rien. Mais regardez-moi ça les mecs. Oh là là, mais quel plaisir. Mais quel plaisir les mecs.
mec, regardez-moi tout ça, les mecs, on peut se faire cure tout ça, c'est magnifique. En fait, les mecs, regardez-moi ça, j'ai envie carrément de marquer piège et de trouver un piège ici, en fait, et de, bah, de l'attendre ici. On savait beaucoup le mot ici, je suis désolé, les mecs. Et bah, vous savez quoi, les mecs, regardez-moi ça. On a carrément un piège avec une genre d'enclume, mais avec un maximum de fer. Et vu que ce méchant vieil est en train de nous crafter beaucoup de fer, on va l'utiliser, les mecs. Et bah oui, on fait de l'écologie, les mecs, l'écologie des vers. Donc là, ça va être clair, net et précis. Je vais miner le maximum de fer, il me faut deux blocs et simplement des lingots. Voilà, hop là, raboule-moi ça, mon Joe. Et donc là, hop là. Bon, toi, frérot, tu as pas touché à mon dû quand même tout de même. Et oubliez pas, les mecs, chaque entre guillemets ressource, on va les garder bien au chaud. Ah, parce que oui, écologie, mais ça peut nous resservir, on fait du recyclage. De toute façon, oubliez pas, les mecs, si vous arrivez à ce moment de la vidéo, bon, c'est assez court, je vous l'accorde. Qu'est-ce qui va se passer? Shaowen va me tuer, je vais rage quit, Shaowen va rage quit. Moi, les mecs, je prédis un petit rage quit de Shaowen. Ah, mais je vous le dis direct. Car là, les mecs, regardez-moi ça, on a le premier bloc. Hop là, le second bloc. Et maintenant, on va simplement devoir attendre qu'on ait des petits minerais et ça devrait le faire. Et donc là, les mecs, on marque enclume et boum. Évidemment, c'est un piège à enclume géante et il fait apparaître une géante enclume au-dessus de la cible. Non, mais les mecs, c'est parfait. La ne devrait pas être très très loin. C'est quoi, les gars? On va se mettre en F5 et on va juste attendre comme ceci. Attendez, par contre, pourquoi il a un diamant? Ça, les gars, c'est quand même la question que je me pose. Oula, 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 oula. Ah, les gars, j'ai rien à faire, j'y vais. J'en ai rien à faire. Bon, là, je viens de le voir, les mecs. Hein. Il est sur mon côté, je l'ai vu. Oui, bah, il veut peut-être venir, mais bon, allez, prends-toi ça. Ah, mais ça marche pas vu qu'on est en bas. Mais viens, viens là, toi. Tu te prends pour qui, toi? Je vais te détruire. Prends ma one shot, là. Attendez, les gars, comment est-ce que ça se fait que je me fais one shot en 2 secondes? Attendez, ça, c'est les nouvelles règles de Minecraft. J'ai trop joué à Roblox, là, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux me faire two shot? Les gars, j'ai quand même des bottines en fer. Voilà, ça, oula, il a fait me tuer quand même. Bon, voilà quoi. Hein. Bon, par contre, comme vous l'avez vu, ça me l'a redonné. Ça veut dire qu'il faut que j'aille vraiment au-dessus. Bah, vous savez quoi? Hop là. Allez, 3, 2, 1. Vous voyez ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que c'est que ce truc de méchivier? Wesh! What the fuck? Mais comment ça est-ce que je viens de mourir à cause du. Ah, mais attendez, mais il peut les enclumes! Non, les gars, la vie de mer, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Là, il est en train de se foutre de ma logue. Oh là, je me cache. Il va rien faire. Mais les gars, je suis obligé de rester dans la maison parce que le problème, c'est que je vais mourir là. D'où est-ce que ça sort ce truc là? Mais les gars, dès que je bouge, il y a. Non, mais c'est pas normal. Non, mais les gars, non, mais c'est insupportable. Non, mais qu'est-ce que je peux faire, les gars? En fait, les gars, je peux vraiment rien faire là. C'est relou. Bon, bah, du coup, les mecs, je sais même pas s'il est mort, s'il y a eu entre guillemets ça fonctionne. What? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se faire entre guillemets de plutôt intéressant? Oh, les boules de feu. Sauf que bon, moi, je sais pas faire des boules de feu, hein. Bon, le problème, les mecs, pour des boules de feu, si je dis pas de bêtises, il me faut des blazes. Et bon, regardez-moi ça. Hop là, 3 diamants magnifiques. Et voilà, les raboule-moi 3 diamants. Petite pioche, on prend l'obsidienne, on se barre. Hop là, boum. Petit lac, et je pense qu'on est bung, hein. Et voilà, on a trouvé notre petit bonheur, les mecs. Notre petit bonheur. Bon, bah là, on va devoir miner de l'obsidienne, miner, et faire un portail, hein. Et voilà, bon. Maintenant, comment faire un portail rapidement? Et bah, c'est simple. Le voici, le voilà. En toute délicatesse. Allez hop là, dans le nether les mecs, dans le nether. On trouve une forteresse et on est bang. Ok les gars, bon là normalement, seul souci les gars, c'est que je sais pas où est-ce qu'il est vraiment. Ok les gars, il y a une table de craft juste là, 100% il est passé par là. C'est qu'il y a des mobs partout, c'est relou. J'ai utilisé la cobble que j'ai, ok. Où est-ce qu'il est ce chien en fait, les gars, je sais absolument pas où est-ce qu'il est. Hein. Bon, les gars, apparemment il est censé être en bas, sauf que les gars, moi j'ai qu'une pioche en bois. Oh les gars, il y a son portail juste là. En fait les gars, j'hésite à l'attendre comme ça et lui sauter dessus. Je pense que c'est mieux qu'on y aille. Hein. Et vous savez quoi les gars, j'en ai rien à faire, on a qu'une vie. La tête d'homme, j'y vais. Hello Garly. Je sais pas où est-ce qu'est mon frérot là. Bebulined, si tu peux me dire où est-ce que t'es. Je pense que ce serait plutôt judicieux, si tu vois ce que je veux dire. Y a-t-il une forteresse? La réponse est je sais pas. Y a un gaz, bon, on s'en fout un peu, on s'en bat les khlaoui. Non mais regardez-moi ça, non mais c'est magnifique. C'est magnifique, on va pas rester très longtemps ici, je vous le dis. Oh là, si je peux trouver des boules de feu carrément dans les coffres, je dis pas non. Hein. Et boum! Voilà, Raboul. Allez, Raboul, s'il te plaît. Voilà, c'est la castagne. Merci. Oh là 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 là. Ok, oh, ça suffit 100%. 100% c'est bon, les mecs. Maintenant, vous savez quoi, j'en ai rien à secouer, on va retourner à mon endroit. Ah bah, tiens, non mais au pire, au bout d'un moment, voilà, moi je m'en fous, je me taille. Moi j'ai eu ce que je voulais en soi. Il y a mon portail en bas, oula. Alors lui, il va penser que je suis plus là, je vais le pousser, il y a rien à secouer. Ah mais Lynette, je vais te sauter dessus, j'en ai rien à faire. Ne pense pas que tu seras épargné, ne te pense pas invincible. Il est tombé où? Oh le chien. Je suis littéralement en dépression. Voilà, je vous le dis actuellement, je suis triste, je dois voir un médecin. Et voilà, ça, c'est de la patte de l'expert, le mec. Oh, c'est magnifique, non mais vraiment. Dinda Highlight. Allez hop là, on y va, c'est parti. Maintenant qu'on est un petit peu vers la surface, on va prendre un petit peu de charbon, parce qu'on doit se faire des boules de feu via ça. Et là, on peut s'en crafter 3, magnifique. Et vous savez quoi, tellement je suis heureux de pouvoir, entre guillemets, me le faire. Hop là, et voilà, boum. Il y a un bug là, non? Bon, bref, il y a marqué piège en clume géante, mais il y a marqué déclenche une pluie de boules de feu sur la cible. Et pour être sûr que ça fonctionne, on va simplement remonter à la surface. Et on n'était pas très
aller loin, donc franchement c'était plutôt pas mal hein. Là les mecs, je vous le dis, je vais simplement le confronter. Oh bah tiens, en plus on est exactement au village. Je vais le confronter et je vais lui faire exploser ça dans le crâne, dans son crâne de neuil. Et comme d'habitude, attends qu'il vienne, on pourrait se faire quoi? On a celui-là à faire, celui-là à faire, et on a celui-là à faire hein. Il est là les gars, la vie de ma mère, il est là. Allez, s'il te plaît, crafte longtemps, crafte longtemps. Allez, vas-y, prends-toi ça dans le lard. Voilà, prends-toi ça. Bah oui, bah, oh bah c'est bizarre, bah oui. T'approche pas de moi mon chacal. Bah oui, mais non. Craft, non, s'il te plaît. Wesh. Non mais non. Ah voilà, c'est ça ce qui passe quand on paye pas le fisc hein. Moi ce que je voudrais faire, c'est ce petit bail là, les mecs. Il fera des araignées et des sauts. Oh là, ce qui est magnifique, c'est que tac et boum. Ah mais il se prend encore la foudre de Perlimpinpin hein. Non mais il veut détruire ma maison. Il veut détruire tout. On est au Moyen-Orient ou quoi là? On est chez le frérot Netanyahou là. Arrête. Mais calme-toi Bernard, s'il te plaît. C'est pas les États-Unis là. On se calme. Purée, mais c'est pas possible. Il est malade ce type. C'est vraiment malade. Bon, en plus il commence à faire nu, donc vous savez quoi? Boum. On va récupérer des yeux. Non mais c'est bon, Shawen, tu peux rester loin s'il te plaît. Mais il est lourd. Il est super lourd. Il est tombé aussi. Bon, je vais mourir les mecs, faut pas que je meure. Je veux pas donner 1000 balles parce que je vais vraiment les donner parce que moi je suis bête. Oh non mais c'est très très beau là ce qui m'arrive les gars. Là actuellement les gars, je suis le meilleur. Je n'en ai rien à faire. Viens par là si tu penses que tu arrête. Oh les gars, je vais pleurer. Et voilà, magnifique. Bon, maintenant il faut simplement que je trouve des zombards et bah on peut encore se crafter de nouveaux bails hein. En plus, il y a des genres de zombies un petit peu voilà, un petit peu déguisés. Et voilà, MRC hein. Bon bah du coup, on peut se le crafter ce petit bail. Il s'appelle Piège Faux Lac. Il fait apparaître un lac vulnérable sur votre position seulement pour la cible. Où est Shawen? Parce que là, il doit m'observer, je suis pas très loin du spawn de base. Au pire, regardez, je sais pas où il est. Hop là. Non, pas moi. Moi ça me fait rien. Voilà, c'est comme un hammam. Je lui propose un hammam. Bon, moi ça a l'air de rien me faire. Je pense que Shawen, ça peut lui faire mal. Et regarde, le frérot regarde les étoiles pendant que moi je souffre. De chiottes là. Pendant que moi je souffre. Ah bah super, bah ça va, je vous dérange pas les frérots. Bon allez, moi je vais dégager. Commence à me saouler ces villageois de chiottes là. Avec leur gros nez, on dirait des carottes qui puent. Je commence à avoir un âge mental qui descend les gars. Je vous le dis, Minecraft me fait descendre d'âge mental. Et ce qui m'énerve le plus les gars, vraiment c'est Lined. Je ne sais pas comment m'en sortir en fait. Il a une meilleure arme que moi. Il a des items qui sont complètement cheatés. Genre là les gars, il me faut un plan, mais un plan sorti tout droit de Narnia pour pouvoir le buter là, je vous le dis. Et ce plan là, il est pas prêt d'arriver parce que là vraiment. Oh là là les gars, je vais me cacher. Voilà, je ne peux que faire ça. Allez, viens de la même. Ah si, ça fait. Mais pourquoi ça fait galer pas moi? C'est trop stylé. Allez, viens de la même. Allez, reste dans la même. Il veut quoi lui? Wesh. Pourquoi j'ai du poison? Qu'est-ce qu'il m'a fait encore ce chien là? Qu'est-ce qu'il fait avec ces blocs là de méchant vie? Oh, c'est son eau de méchant vie. Non mais non. Arrête. Calme-toi Bernard, j'ai un demi-cœur. Allez, va mourir. Il va mourir comme un méchant vie. Non mais ça va, ça me malade. Ça le taré mental. Mais il va me tuer au bout d'un moment. Il faut pas qu'il se sous-estime hein. Ah, on va se fight dans l'eau hein. Bon allez, il va pas me voir. Hop là. Allez, la PVP là, c'est parti les mecs. Mais il impressionne qui là, ce troubadour? Tu sais quoi, je me taille, c'est bon, je me taille. Moi je vais voir si j'ai pas d'autres crafts parce que ce loser il m'énerve. On va l'attendre ici, on va se cacher. On l'a berné comme Corneille et Bernie. J'ai la sensation les gars que là il est en train de me ragal. Là les gars, c'est fini la hagla. Là on est sur du réel, on est sur du fait, on est sur du fact. Si là les gars je le tue pas, je fais une musique pour vous dire que la vie c'est Roblox. Voilà, je vous le dis, je vais détester Minecraft à partir de maintenant si la net me tue. Il veut pas me saouler. Lui, non mais arrête de faire le méchant vie. Non mais attends, mais puis il m'enlève 5 coeurs. Non mais vraiment. Ah ouais les mecs, mais ouais, mais en fait ça commence à me saouler les gars. Voilà, hop là, fais le méchant vie, casse-toi le méchant vie. Moi je veux me crafter tranquille. Bon les mecs, il nous reste quand même ces deux petits bails là. Et il nous faut le piège à main gravité. Et pour le faire, celui-là il nous faut du fer, de la redstone et simplement bah du cuivre. Vous connaissez la chanson, hop là, la redstone est sécurisée. Le cuivre évidemment tout autant, hop là. Et ça va paraître fou, mais le seul bail qui manque c'est exactement ça. Et du coup bah voilà, on peut se le crafter, hop là. Et c'est le piège main gravité. Et vous savez quoi les gars, si on peut pas passer par la terre, on passera par la mer. On reste calme, on reste détendu. Ok les gars, on va pouvoir le buter. Oh bah voilà, non mais il est pas drôle. Là c'est pas drôle, je peux mourir à tout moment là. Faut que je me taille. On a réussi à l'avoir par surprise les gars, et je suis déjà heureux. C'est quand même déjà une fierté qui est quand même pas mal. Par contre pourquoi il drop des tables de craft chelou? Ah bah elles sont pas du tout chelou, non mais là, je pensais qu'il m'avait drop un indice. C'est quoi son item de méchant vieil? C'est quoi le but de ton item de gag là? Il pense que je suis mort cet idiot, je suis pas mort. Non mais les gars, c'est quoi son item en fait? Genre là il a vraiment disparu. Genre la disparition, t'es effrayant. La disparition les gars. Bah non mais il est juste là. Il est juste en haut. Ouais, prends-toi ça là, ouais, prends-toi ça. Allez, va dans le sol. Va dans le sol, chacal. Voilà, meurs dans le sol. C'est une Dodibra TV, va dans le sol, je t'ai dit. Je t'ai dit quoi? Dans le sol. Mais tu fais quoi? Mais arrête. Non mais calme-toi Bernard. Non mais arrête. Non mais non. Vraiment les gars, ça se fait pas là. Arrête, par pitié. Je pense déjà ça.
savoir quoi faire. Les gars, ça va être simple, rapide, efficace. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire en fait. Il est mort. Magnifique. Et par contre, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que je suis mort. Mais ça m'a TP sur l'arbre. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, le feu de forêt là. Ah bah oui, ah bah super. Hein. Ah bah nickel ça. Bon, là, du coup, les mecs, il nous manque simplement un item à crafter. Et ça peut être le final. Et regardez-moi ça quand je marque fusée. Il me faut absolument ça. Et aujourd'hui, j'en ai rien à secouer. Slash give lined. Voilà, on va se le give simplement. Et à marquer transforme la cible. Ah bah j'ai pas eu le temps de vous le montrer. J'ai pas eu le temps de vous le montrer. Au pire, on fait croire que je suis pas mort. What? J'ai rembuté? What the fuck? Les gars, j'ai gagné? Donc, il y a marqué transforme la cible en véritable fusée, les dégâts de chute sont inclus. Donc, vous savez quoi? J'en ai rien à faire. Dites tous en commentaire qu'il ne m'a pas tué. Comme ça, il va complètement vriller, les mecs. Il va complètement péter un plomb. Donc, si t'es à ce moment de la vidéo, tu dis qu'il ne m'a pas tué. Et maintenant, les mecs, on va le faire décoller. Donc, là, dès qu'il me regarde, hop là. Bon, ça fait quoi? Bon, Lined, moi je te le dis. Cette fois, il y aura plus de. Mais comment ça, il y a. What? Comment ça, décollage? Je suis mort avant le décollage, mais je. Pourquoi est-ce que j'ai décollé? Il est parti où là? Je vais me slash TP à ce chien de la casse. Non, mais j'ai rien à faire, je dépose les armes. Va te faire voir, espèce de tricheur de. Non, mais vraiment, non, mais t'as pas honte. Bon, bah les mecs, vous vous abonnez à la chaîne. Oubliez pas le commentaire, je vous ai dit. C'était Lined, ciao les mecs.